Sokoto, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 10 novembre 2024. Une livraison qui nous conduit du côté de... la Belgique, où l'on disputait la 14e journée de la Jupiler Pro League. Louvanis se déplaçait chez le promu de Dender. Le début de partie était dominé par OHL qui ouvrait logiquement le score. Un tir de Mitrovic, d'abord bloqué, était repoussé du côté de Youssef Maziz. L'ancien Cérésien marqué à bout portant, ne laissant aucune chance à Devrint. 1-0-0-1 à la 22e minute. Les visiteurs gardaient le contrôle du match, mais étaient surpris juste avant le repos. En effet, Dender trouvait la faille suite à un ballon mal dégagé par la défense de OHL. Après un tir dévié au Rat Magoun, le Bruxellois Nathan Rodez surgissait pour remettre les compteurs à zéro. Un but partout à la 43e minute. Après la pause, Dender passait rapidement tout près du deuxième but à la 49e minute, mais à la tête de Coles était repoussée par les Sens. Les échanges étaient ensuite un peu plus équilibrés, mais aucune des deux formations ne parvenait à faire la différence. Entre manque de rythme et de précision, des occasions nettes manquaient des deux côtés. Ezekiel Banzouzi faisait encore trembler le promu en toute fin de match. Mais la frappe du milieu de terrain louvaniste était bloquée par son propre coéquipier. Le score ne changeait plus et les deux équipes partagent la mise. Score final, un but partout. William Balikwisha était titulaire avant de sortir à la 65e minute de jeu. Son temps de jeu est de 780 minutes sur les 1430 possibles. Il a joué 14 des 15 matchs de Louvain. Il a marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Au classement, Wash prend un point précieux en bas du tableau. Il est 12e au classement avec 16 points. Il compte 3 victoires, 7 nuls et 4 défaites. 14 buts marqués et 18 encaissés. Le prochain match de Louvain aura lieu le dimanche 24 novembre. Il recevra l'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki. Et maintenant, place à la sélection pour William Balikwisha. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de la Grande-Bretagne. Mais en Grande-Bretagne, nous allons d'abord du côté de l'Angleterre où l'on jouait la 11e journée de Premier League, championnat anglais de Première Division. Johan Wissa en feu s'offre un doublé et Brentford se relance. Brentford s'est imposé à domicile face à Bournemouth dans un match où ils se seront donnés coup pour coup. C'est pourtant les visiteurs qui étaient les premiers à ouvrir le score à la 17e minute par Evan Nilsson, international congolais. Johan Wissa, aligné à la pointe de l'attaque de Brentford, lui répondait 10 minutes plus tard avec son but égalisateur, son 6e de la saison en championnat. Un but partout sera le score à la pause. 4 minutes après le retour des vestiaires, Kluivert va redonner l'avantage au marquoir aux visiteurs. Le coéquipier de Johan Wissa, Damsgaard, va égaliser une minute après pour Brentford avant que l'international congolais ne puisse marquer son 2e but du match, le 3e de son équipe et son 7e de la saison. Score final 3-2. L'international congolais qui a bien évidemment été titularisé a disputé l'intégralité de ce match. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 655 minutes sur les 1357 minutes possibles. Johan Wissa a participé à 10 des 14 matchs avec son club, avec à la clé 7 passes, buts inscrits et une passe décisive délivrée. Victoire importante pour Brentford qui lui permet de
occupait la 10e place au classement avec 16 points, 5 victoires, 1 nul et 2 défaites et 5 défaites, 22 buts inscrits contre 22 encaissés. Prochain match pour Brentford, ce sera pour le compte de la 12e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain d'Everton le samedi 23 novembre 2024 sous les coups de 16h de Kinshasa, 17h heure de Kwandruma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Yohan Wissa a marqué un doublé d'abord à la 27e puis à la 58e minute. Voici ses statistiques durant ce match. Deux tirs cadrés qui correspondent au début inscrit justement. Et c'est très bien pour l'intention congolais puisqu'il s'agissait de ces deux tirs tentés justement. Un dribble réussi sur les trois tentés. Là, c'est quand même un peu moins. Mais l'international congolais est très très en forme. Et pour son retour dans la tanière, nous espérons qu'il le sera aussi hein, pour ce match important quand même pour la RDC qui cherchera à conforter sa première place en arrachant ne serait-ce qu'un nul. Hein, première place qui lui permettra d'être bien positionné dans le premier chapeau lors du tirage pour la prochaine CAN. Nous restons bien évidemment toujours en Angleterre, mais nous quittons la première ligue pour la Championship, deuxième division anglaise où l'on jouait la 15e journée. Pelé Rudog, Mpanzu et Luton Town ont sombré sur le terrain de Middlesbrough. Défaite sans appel sur le score de 5 buts à 1. Pelé Rudog, Mpanzu, heureusement pour lui, était resté sur le banc et cela pour sa 5e fois consécutive, voyant son temps de jeu stagner à 129 minutes sur les 1554 minutes possibles. Il n'aura participé cette saison qu'à 5 des 16 matchs avec son club. Après ce lourd revers, Luton Town est 21e du Championship avec 4 victoires, 3 nuls et 8 défaites. 17 buts inscrits contre 26 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 16e journée et la réception du Hull City le samedi 23 novembre 2024 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Bunia à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Grande-Bretagne, mais nous quittons l'Angleterre. Nous allons cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse, où l'on jouait la 12e journée de la Scottish Premiership. Enfin, Bouchiri grappille du temps de jeu avant le rassemblement, mais son équipe tombe quand même à domicile. Hibernian recevait Saint-Mirren et a été battu sur le score d'un but contre deux. Rocky Bouchiri, qui a débuté ce match sur le banc, a fait sa montée sur l'aire de jeu à la mi-temps. Son temps de jeu cette saison est de 355 minutes sur les 1592 minutes possibles. Il aura participé à 6 des 17 matchs avec son club. Après cette défaite, Hibernian est dernier du championnat avec seulement une victoire, 5 nuls et 6 défaites. 11 buts inscrits contre 18 encaissés. Prochain rendez-vous pour Bouchiri et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 13e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Dundee le samedi 23 novembre 2024 sous le coup de 18h45 heures de Kinshasa, 19h45 heures de Bouta à l'est de la République démocratique du Congo. Tout arrive après 8 matchs passés sur le banc sans le quitter une seule seconde sauf à la mi-temps et en fin de match, oui, Rocky Boucher enfin rejoué après 8 matchs. Hein. Bon, espérons qu'il va faire taire les critiques et Sébastien Le Sable lui donnera quand même du temps de jeu pour ses premières minutes en match officiel. Nous quittons donc la Grande-Bretagne pour la Suisse où l'on jouait la 14e journée de Super League. Le leader du championnat, le FC Zurich, marque un nouveau coup d'arrêt sur la pelouse du Servette en concédant un nouveau match nul. Score final, un but partout. Une fois de plus, les Zurichois laissent échapper des points précieux. Jonathan Okita, entré en jeu en fin de rencontre à la 84e minute, n'a pas pu faire la différence. Son temps de jeu cette saison est de 362 minutes sur 1922. Possible. Il a joué 11 des 20 matchs seulement. Il a seulement joué 11 matchs sur 20 avec le FC Zurich cette saison. Il a marqué un but et délivré une passe décisive. Les Zurichois sont premiers de Super League avec 26 points. Contre 7 victoires, 5 nuls et 2 défaites. 22 buts marqués et 15 encaissés. Après la trêve internationale, Zurich se rendra à Lugano pour un match crucial. Une victoire sera essentielle pour maintenir l'écart face à Bâle qui enchaîne les succès et menace de revenir au sommet du classement. D'une Super League à une autre, nous quittons la Suisse. Nous allons cette fois du côté de la Turquie où l'on jouait la 11e journée du championnat turc de première division. Rizespor qui recevait Trabzonspor l'a battu sur le score de 3 buts à 1.
Titulaire, l'international congolais Simon Banza a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 4e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 7e titularisation consécutive également. Simon Banza voit son temps de jeu porté à 758 minutes sur les 886 minutes possibles. L'international congolais a participé à 8 des 9 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits. Après ce revers, Trabzonspor est 13e de Super League avec 2 victoires, 6 nuls et 3 défaites. 12 buts inscrits contre 14 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 12e journée et la réception d'Adana Demirspor. Ce match est prévu pour le lundi 25 novembre 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Kiwanja. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Super League mais pas la Turquie. Nous allons cette fois en 2e division où l'on jouait la 12e journée. Ahmed Eska qui recevait Ankara Kessurengusu a partagé les points. Score final 0 buts partout. L'international congolais Brita Sombalonga était bien évidemment titulaire avant d'être remplacé à la 87e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive, portant à 844 minutes son temps de jeu sur les 1156 minutes possibles. Sombalonga a participé à 10 des 12 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et après ce partage à domicile, Ahmed Eska est 17e du championnat turc de 2e division avec 3 victoires, 5 nul et 4 défaites, 10 buts inscrits contre 12 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 13e journée et un déplacement sur le terrain d'Igdir. Ce match est prévu pour le lundi 25 novembre 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Kamanyola. Nous sommes toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce dimanche 10 novembre 2024. Le 24, une 3e livraison dominée par Johan Wissa en feu qui a vu double. Johan Wissa qui a offert la victoire à son équipe de Brentford. Johan Wissa très en forme qui va retrouver la tanière et nous espérons qu'il répondra coup sur coup à Serou Girassi. Johan Wissa, 5e meilleur buteur de la première ligue, 3e meilleur buteur africain de la première ligue. Dans les 5 premiers, il y a quand même 3 africains. Le premier meilleur buteur ex-aequo africain, c'est Mbeumo, son coéquipier, avec Mo Salah. Comment il s'appelle, Nicolas Jackson est derrière. Il n'y a pas de Mavidi, il y a Pierre Piazza, il y a Nini. Yannini, Toloba, Tolobate. Ah, de sabre, on a raison, il y a la popo. Oh, Arondimi, Ayeko Senga, oh, ya boy, to bon de la paix, moutouté. Si vous avez aimé cette 3e livraison, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre propre point de vue, votre opinion. Surtout, si vous êtes nouveau sur cette chaîne DiascoFoot, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous pour grandir cette famille et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir.